Bon, écoutez, ils s'en remettront, et nous aussi. Ils ont perdu, alors que pendant 74 minutes, c'est vrai, nous avons légitimement nourri l'espoir que l'équipe parviendrait à un nouvel exploit face au Paris Saint-Germain. Et parfois, il n'aurait pas été totalement immérité au regard de la première mi-temps, parce que l'équipe de Michel Derzakarian a pris ce match par le bon bout, en tout cas avec les atouts qui lui étaient nécessaires pour tenir tête aux Parisiens. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité dans le sens du terme, dans le bon sens du terme, on finit bien entendu par perturber un petit peu les plans de Thomas Tuchel et de l'équipe parisienne. Tant et si bien qu'à la 41e minute, un petit peu comme si une petite fée était venue pour apporter une logique récompense à tous les efforts des Montpelliérains, eh bien il y a eu ce but, ce corner de Savagnier repris de la tête par Daniel Congré, le ballon légèrement dévié par le bras de Paredes, mais enfin, c'est un but de Congré à l'arrivée. 1-0, il y avait évidemment bien matière alors à se dire que réussissant une deuxième mi-temps calquée sur la première, Montpellier aurait peut-être pu être la quatrième équipe cette saison à faire chuter l'ogre parisien. Mais voilà, la deuxième mi-temps a été d'un tout autre tonneau, non pas par manque de volonté des Montpelliérains, mais parce qu'ils ont, semble-t-il, et très collectivement manqué de gaz. Et face à une équipe qui peut de temps en temps à la fenêtre sortir quelques individualités et les joueurs de grand talent jusqu'alors très en deçà de leur performance, eh bien, il fallait au fond, dans un petit coin de notre tête, craindre le pire, même sans trop y penser. Le pire, il est arrivé, bien sûr, le deuxième carton jaune à Pedro Mendes, les conséquences que cela aura eu pour le restant de la partie, le coup franc, le but de Neymar, le tir et le but d'Mbappé, la reprise de volée d'Icardi, le tout en 6 minutes, 3 buts à 1, la messe est dite, Paris s'est donc imposé. Alors bien sûr, les 3 buts ne sont pas imputables à Pedro, mais évidemment, on ne pourra pas s'empêcher de penser qu'à 10 contre 11, la mission était devenue impossible. On s'en remettra, ça n'est qu'une partie de foot. Montpellier perd contre le Paris Saint-Germain, 3 buts à 1. Demain est un autre jour.